J'ai besoin de pas parler beaucoup, mais je suis vraiment pas rassuré. Vraiment pas. Ça s'est passé un truc là-bas. Qui rentre dans la chambre fait un coup étrange. Je peux pas empiler des trucs pour voir. Attendez là. J'ai fait tous les chemins. Là il me manque celui-là, mais j'ai pas le temps de l'oublier. Je l'ai peut-être loupé parce que j'ai une manivelle par contre. Pour baisser, je pense, ce fameux pont-levis, mais j'ai pas vu de. Ouah, chaud, je me suis gouré de bouton. J'ai pas vu de bouton ou de. Ou de truc du genre pour y mettre la manivelle. Et ça m'embête un peu cette histoire. Je vais retourner voir là-bas vite fait. Il y a un truc, mais je suis pas sûr, je pense que c'est un élément de décor. Ok, je vais allumer toi. Ouais, c'est bloqué, en tous les cas. Alors excusez-moi, je cherche là, mais je ne trouve pas. Et ça, c'est quoi? Non, ça m'étonnerait, mais... Voilà, évidemment. Je suis allé là-bas, j'ai peut-être loupé un truc, mais je pense pas. Ouais, c'est bon. Yes. Je peux pas allumer celle-là, c'est un peu chiant. Je vais essayer en face. Et je peux peut-être y aller sans passer par le pont, non? J'ai peut-être un moyen de monter depuis la flotte. Attends. Hein. Est-ce que je tente cette expérience un peu foireuse? Ou justement je prends en compte le mot foireuse dans ma question? Je pense que ça aurait été un peu mis en avant le truc pour manivelle. J'ai peut-être tout simplement pas vu, mais. Ouais, bon, vous savez quoi? Geronimo. Je peux pas remonter là? Si je passe par là? Je vais faire un petit test. Alors évidemment, ce con ne peut pas se raccrocher au rebord. Bon, écoutez, j'y vais. Hein. Plouf. Ok, plouf. Cette manivelle, je pensais que je pourrais y aller sans passer par le pont, qu'après la bestiole serait apparue et que j'aurais plus qu'à refaire le tour, mais j'aurais laissé ça. Mais je me suis trompé. Ce qu'il y a, c'est que. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que. Bah. Je sais pas trop où se trouve cette manivelle. Au début. Je l'aurais vu quand même. Non, je sais pas là. Je suis un peu perdu, je dois l'avouer. Je retournerai bien
là-bas, mais j'ai entendu un glou-glou. On fait pas de bruit, hein. Voilà. J'ai sûrement... Si ça se trouve, j'ai un truc là, mais je vais encore me prendre un coup avec la vapeur, je vais encore perdre de la vie. Si ça se trouve, ça va être pour rien. Voilà, passe. Passe. Passe encore. Oh putain, j'ai été trop gourmand, bordel. Ah, j'ai pas vu ça. Putain, quel con. J'aurais pu éviter ça, quoi. C'est des blessures faites à la... blessure conne, quoi. C'est un peu... un peu stupide. Oh là là, je te jure. Et je ne sais pas où est cette manivelle. C'est formidable. Aucun chemin, je pense. Là, j'espère qu'il va pas y avoir le bruit du monstre qui va me faire peur. Et serre les dents. Ah, je suis dans le noir. On va retourner au début. Hein. On va essayer de voir. Je vais plus avoir d'huile. Oh là là. Putain de merde. Scrogneux, je ne trouve pas. Scrogneux, fiche de bigre, ça ne marche pas. Oh, je vais plus avoir d'huile. La faim m'attend. Non. Et merde. Et merde. Oh, fish, je suis bloqué. My lord. Milady. Mr. Dundee. Je peux rien en faire de ça. Bon, mes chers amis. Ouais, ça va faire un peu moins d'une heure que je tourne là, mais... je vais peut-être pas continuer à être bloqué pendant des heures. Parce que ça va vite être chiant pour vous, surtout si vous connaissez la solution. Donc ce que je vais faire... c'est que je vais arrêter l'enregistrement là. Et je vais le reprendre que j'aurai trouvé, tout simplement. Donc, à tout de suite, tout simplement. Eh bien, re, mesdames et messieurs, ou devrais-je plutôt dire salut à toutes et à tous, bonjour, parce qu'en fait, j'ai tout simplement, c'est pas le même jour que j'enregistre, là, j'ai arrêté après mes recherches d'hier, parce que je trouvais vraiment pas la solution à ce satané pont-levis, et donc je m'y suis remis un peu, là, je commençais une fois de plus à tourner dans tous les sens, à me dire, mais merde, qu'est-ce que j'ai loupé. Et là, vous l'avez vu comme moi, par hasard, je suis tombé sur une de ces pierres et j'ai vu qu'on pouvait les prendre. Alors je me suis dit, mais peut-être que, après tout, on jouait Héraclès, peut-être qu'on peut exploser une chaîne avec une pierre. Alors on va bien voir ça tout de suite, si ça se trouve, j'ai lancé l'enregistrement pour rien, mais... Putain, vous êtes sérieux? Eh, c'était ça. Alors je sais pas, ça fait combien de temps que je suis dans ces égouts de merde à chercher un emplacement pour cette foutue manivelle là. Je me dis, mais merde, il y a forcément un orifice quelque part. Et bah non, c'était juste encore un coup d'Hercule là, ça m'énerve. Mais bon, au moins on a enfin passé ce... Oh. Ah non, on a enfin passé ce truc. On va pouvoir continuer. Et je suis pas peu fier d'avoir trouvé, parce que là, je commençais à en avoir quelque peu ras-le-bol. Une planche, merveilleux. Donc, remonter les égouts, ouais, ça on l'a vu l'autre fois. Ah, parfait, une note. Bah, ça va me donner l'occasion de boire, parce que j'ai soif.
1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Oui, donc voilà, c'est un peu ce que je me disais hier. Je pensais qu'Alexandre était sympa dans le fond, mais non. Hein, c'est un peu ce que résume Daniel là, à mon avis. Il en a un peu rien à foutre de Daniel. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'orbe et son pouvoir, qu'il voudrait apparemment maîtriser. On ne sait pourquoi. Après tout, vous savez, les fous. Déclination. Cloaca. 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 Oh putain. Cloaca et... Alors, alors, si vous connaissez l'artiste contemporain Wim Delvoye, chapeau à vous. Si vous ne le connaissez pas, allez sur Google Images, faites Wim Delvoye, je vais l'écrire là sur la vidéo, et marquez Cloaca, vous aurez une petite surprise. Ah, putain. Bon, c'est pas une référence du tout, hein, c'est du latin là, mais... Bien, mettons tout dans le noir. Tchou. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ah ah! Oh, je croyais que j'avais des lots. J'avais vidé l'eau, mais non. Mais non. Bon, on va s'en aller. Tout simplement. Tout simplement. Et retourner à nos problèmes de la vie quotidienne, n'est-ce pas? Tiens, j'irais bien voir là. Ce qui se passe dans la caisse maintenant. Ah oui, il y a plus d'eau là. Oh, damn it! Shit, God! Je vais aller dans le noir. Oh non! Oh non! Ah, ça va. Ils m'ont refait le coup de l'autre fois, là, avec... avec le faux bruit. Yo! Yeah! Pro gamer, que se passe-t-il ici? La voix a disparu. Oh mon dieu, il est mort. Et bon, on y va. Bon, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Peut-être que j'ai vidé l'eau en bas là. Qui sait? Alors je vous cacherai pas que je suis un peu surpris. Parce que j'ai vu vite fait un autre let's play sur cette partie là. Et au début je voulais trouver la solution pour la chaîne, mais le mec justement passait ce passage. Et normalement, après ce que je viens de faire, là, normalement tout devenait rouge, là encore avec les pustules. Et il y avait tout simplement Gauthier Aquatique qui arrivait. Mais je l'avais oublié tout simplement, donc je m'en suis rappelé quand j'ai entendu le cri là. Mais bizarrement, ça n'a pas eu lieu, je n'ai pas compris pourquoi. J'ai fait glitcher le jeu, je suis trop fort. Oui. C'est vrai qu'il me manquait un tuyau, là. Il te manque un tuyau. C'est vrai que j'avais tout fouillé. Et je peux pas... vraiment faire autrement. Non, non, j'avais tout fouillé, ça sert à rien d'y retourner. Comment dire? Oh, c'est... Oui. Et voilà, il me manquait un tuyau.